Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis une nouvelle fois au lac de Lèves. Normal, c'est le plus proche de chez moi, même s'il est à une bonne heure de route. Mais bon, je suis avec, c'est le plus proche. Donc, je suis au lac de Lèves et aujourd'hui, je fais ce que je voulais faire la dernière fois, mais malheureusement, avec les conditions, la pluie, etc., je pouvais pas trop filmer l'après-midi. Il pleuvait vraiment trop pour l'appareil, je voulais pas risquer de le bousiller. Donc, là, aujourd'hui, je filme le round de Stroke Play que j'avais prévu de faire la dernière fois. Donc voilà, Stroke Play sur le parcours de Lèves. On va voir ce que ça donne. Il fait actuellement moins 1 degré. Il n'y a quasiment pas de vent, mais je me les gèle. Là, j'ai fait en plus un petit moment pour bien m'échauffer, pour être bien. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc, trou 1, 70 mètres par 3. Petit savior. Allez, passe. C'est au putt. Alors ça, au trou 1, ça fait plaisir. Franchement, bon. Je m'étais échauffé, mais pouvoir juste taper un birdie comme ça au trou 1, ça fait du bien. En fait, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de battre mon meilleur score qui est de moins 7 sur ce parcours. Donc voilà, ça commence à donner sur un parcours de 12 trous. Donc là, je suis au trou 2 et je vais tester un de mes nouveaux disques que j'ai reçu hier, je crois, hier ou avant-hier. Alors, il y a deux disques en soi que je vais lancer, mais il y en a un que je vais jouer réellement. Parce que vous le savez peut-être, je suis un gros fan du Fuse. Et ici, il y a un nouveau plastique, il me semble qu'il est nouveau, c'est le Frost. C'est en gros du OptoFlex. C'est vraiment très très flexible. Là, il fait moins 2 degrés, moins 1, moins 2. Il est encore très flex. Ça, c'est un Opto Ice. Je peux pas le bouger. Là, je vais jouer le Opto Ice. Parce que je cherche depuis très longtemps un disque qui va remplacer mon Buzz Orange que Sylvain m'avait donné, qui était juste fantastique, il était usé à la perfection. J'ai jamais retrouvé de disque qui vole comme ça, et là j'espère que celui-là va voler exactement comme ce Buzz. Donc là, 81 mètres, trou 2. Donc là, je vais voir si je peux faire le fameux petit hyzer flip comme je faisais. Alors c'est trop bas, mais par contre le flip c'est exactement ça. Là, ça m'embête. Je me suis laissé 20 mètres quand même. J'aurais dû réfléchir un peu plus, comme quoi c'était mon coup qui comptait. Et au moins, je l'aurais élevé un petit peu. Et du coup, le Frost, donc pareil, c'est des max weight, c'est des 177, 178 grammes. Le Frost, lui, va être presque comme un opto. Au final, en termes de stabilité, de ce que je constate de mes tests, là, c'est à peu près comme un opto. Donc là, je vais essayer de le lever un peu, celui-là. Je vais lui mettre un tout petit peu plus de hyzer. Non, c'est bas aussi. Mais on voit, je lui ai mis plus de hyzer et il s'est quand même redressé. Allez, on va essayer de mettre un putt de 20 mètres. Alors, le Opto Ice, évidemment, c'est le plus loin du panier. Donc, on va essayer de mettre le putt. Il est dans de l'eau, donc il faut que je prenne du casual relief en plus. En arrière. Là, ouais, je suis à... Ouais, 17-18 mètres, je dirais, au moins. Un trou si facile à birdie en plus. Non, c'est trop à droite ça. Pierre. C'est déjà un peu mieux. Mais... Ah, si je le mettais dedans, c'était trop beau. Bon, attends, faut aller le chercher. Évidemment, le deuxième, c'est le plus proche. Sur celui-là, je me sens tellement bête. Mais par contre, le disque, là, celui-là, ce fuse-là, il vole exactement comme je souhaite, donc c'est parfait.
le fameux trou 3, 113 mètres par 3, en plein dans la ligne avec les arbres. Là, franchement, ce trou-là, il a été bien designé parce qu'il est bien dur. Je vais essayer de voir si le Strive, c'est un cheat code. J'ai un peu de vent d'eau, 113 mètres au Strive, normalement, ça devrait être une formalité. Mais là, ce tipat, je sais pas pourquoi, je suis jamais confiant dessus, du coup, j'arrive pas à mettre de puissance. Mais là, je vais essayer de faire le Boanizer. On va voir si j'arrive à aller jusqu'au panier. Prendre un birdie sur celui-là, ce serait un bonus. Moins 7, normalement, celui-là, je prends le par. Allez, tourne encore, tourne encore, tourne encore. Ok, c'est dans la ligne là-bas. Faut pas que je perde de vue là où il est. Mais en soi, c'était un bon lancer. Ouais, bah allez, deuxième putt de cercle 2. Fin de cercle 2 encore. Peut-être même plus loin que le premier là. Je sais pas vraiment putter depuis cette distance. C'est loin! Oh là là, c'est super dur de putter loin comme ça. Un poil plus long que ce que j'aurais aimé, surtout après avoir fait un putt. Ça wobble, il n'est pas propre mon putt. Allez, s'il y a un endroit où il faut faire l'ace, et où ça peut être sympa aussi sur un round compté, c'est ici. Alors... pour le coup, je vais envoyer un de mes putting putters. Non, c'est beaucoup trop à droite. Pas dans la flaque. Je crois que c'est dans la flaque. Et je pense que j'aurais dû faire confiance à un fuse. Petit fuse frost, juste pour le fun. Voir si je peux faire l'ace. Ce serait rigolo, même si ça compte pas. Ouais, j'aurais dû faire ça. Je sais que cet arbre-là, il est genre à 6 mètres. J'aurais dû faire ça. C'est déprimant de louper celui-là. Oh, moins 1 au bout de 4 là. Ah, ça fait mal. Il va falloir que je sois solide sur le reste. Alors, trou 5, 91 mètres par 3, avec un tee, ça va, il glisse pas trop, je m'attendais à bien pire. Donc je change pas une équipe qui gagne par rapport à autre fois, mon petit Honor, même point de visée, à plat. Ah, c'est un peu plus à droite que la dernière fois, skip, ouais, ça a skippé, ça doit pas être loin du panier. Et je vais en profiter pour entraîner un tout nouveau disque, mon Explorer Lauri Littinen. Jamais lancé encore. Oh, va dedans. Oh, ok, je crois que ce disque il reste dans le sac. Hein. Un premier lancé comme ça, on peut rien dire. Bon. Le pire au nord, toujours... un bonheur, toujours un bonheur de lancer ce disque. L'axe exactement là où je veux. Birdie. Vu là où est l'Explorer, je pense qu'il a touché le poteau, mais légèrement. Mais pas la cage, je pense pas. Allez, on est arrivé au trou 6. On va voir si cette Opto Ice Fuse est vraiment comme mon bon vieux buzz. J'ai essayé de refaire le Hyzer Flip pour voir si je maîtrise. La transition est longue, hein, entre les trous, là, il y a le temps de se refroidir. Allez, 93 mètres par 3, power grip sur un fuse, pourquoi pas. Oh, c'est joli. Ah, ça drifte quand même. Hein. Ça me rappelle quelque chose, ce putt. Je sais que la technique de Sylvain, c'est faire un Hyzer ou Raptor. Donc, je vais prendre mon Pioneer, que je lance rarement. Et le lancer à droite au-dessus de la route. Comme ferait Sylvain Gouge. Il
Si c'est dans le panier. Non, c'est au bien gauche, mais ça a skippé sous le panier. Donc, plus ou moins une bonne stratégie. Je sais pas. Mais en tout cas, bah, mon premier coup, il est en haut à droite. Il va falloir que je le pète. J'aurais préféré un peu de plus court. Non. Je fais. Tourne ton pied, mets-toi dans l'axe. Quand même pas. C'est pas difficile quoi. Le fameux par 5. Après à prendre un par sur celui-là là. J'avoue que faire le eagle sur celui-là, ce serait bien. Parce que là, je suis pas sur la bonne voie pour le moins 7, je vous le dis. Je suis à moins 2 après 6 trous, donc après la moitié. Il faudrait faire moins 5 sur les 6 derniers. Sport. Pas infaisable, mais sport. Donc là, j'y vais avec mon rive pêche. Et essayer de viser le mandat. Espérer que ça flippe. Et youpi. Ça va pas passer le mandatory et ça va être à gauche. Ça c'est l'erreur qu'il faut pas faire, ça vient de me bouffer un coup, donc c'est sûr que je fais pas mieux que birdie. Bon, voilà, cours du mandatory évidemment vu que j'ai fait un riser. Donc là bah, c'est un coup de replacement. Je peux pas faire grand chose, si je fais un side roller je vais rien faire, donc c'est juste un petit riser standstill. Voilà. Et ça fera au mieux un birdie. Et donc je suis encore à 94 mètres du panier. Je vais prendre mon honor, faire un petit hyzer et puis essayer de prendre mon birdie. Pas forcer un mid-range, ça sert à rien, un petit vent de face. Une chance sur deux que ça dévisse. Ah bah va dans le panier. Non, au-dessus. Au-dessus est très long. Ah, je me laisse 15 mètres de putt. Allez, encore un long putt, mais pour birdie. Alors que sur celui-là, j'aurais bien aimé faire eagle, enfin avoir ce putt-là éventuellement pour eagle. Il est mettable. Non. Lève le bras. Lève le bras. Je m'énerve tout seul. Ah, le trou 8. 97 mètres. J'hésite entre un mid-range et un explorer. Je pense que je vais y aller mid-range fort. Sera le plus safe pour moi. Je vais y aller avec mon trust, lancer bien fort, bien fermement, juste que je mette assez de hauteur. Là, je mets mid-range pour l'instant, c'est juste trop bas. Tac, tac, il manque de distance. C'est un long putt, mais je force comme un âne et ça avance pas. Encore un bon gros putt à mettre. Je dirais 10 mètres ou 11 mètres. C'est trop. Top of basket. Mais c'est dingue, là, j'ai pas de putt. Bord de cercle et tout. C'est 1 sur 2, quoi. Ça fait encore un par. Bon, définitivement. Pas top. Pas top. Alors, j'espère que le train du par s'arrête ici et qu'il va être remplacé par le train du birdie. Là, 77 mètres par 3 à l'aveugle. En gros, il faut que je tire assez haut en direction de l'arbre qui est de l'autre côté du chemin et que ça revienne. 77 mètres au Savior. Pas mal. Pas mal du tout, je pense que c'est au putt, j'ai peut-être tapé le tronc de l'arbre. Enfin un putt qui paraît pas trop dur. Ouh, moins 3. Petit moins 3, ça fait du bien. C'est le minimum, hein. Minimum syndical. Trou 10, alors la dernière fois j'ai vu sur la vidéo qu'on voyait pas bien le panier, là vous le voyez en plein centre de l'écran. Et donc le T-pad est là, et il faut passer dans le gap. Ici, donc la dernière fois j'ai retenu la leçon,
c'était un fuse, donc ce coup-ci, ce sera un fuse. C'est pas parfait, ça va me laisser un très long putt, encore une fois, je suis à 12 mètres. Je vais lancer le Opto Ice juste pour voir comment il tient les anisers. Il est beaucoup mieux lancé, déjà. Ah, et ça, c'est à 5 mètres. Ah, c'est rageant, c'est rageant. Un long putt vent dans le dos. Un. C'est dingue, chaque fois je mets du anisers, faut vraiment que je réapprenne à putter. Hein. Faut que je mette, faut que je fasse des exercices. Parce que le player 2, si c'est pour cas, je le mette à chaque fois au deuxième essai. Un. Encore un pas. Alors celui-là, franchement, si j'arrive à le faire comme les deux dernières fois que je l'ai fait, eh ben, ce serait fantastique. C'est-à-dire un strive, un savior et un putt de 2 mètres. Ce serait génialissime. C'est trop bas. Passe l'arbre au moins. Redresse. Ah, je l'ai emmené. Je l'ai emmené, je l'ai mis en anisers. C'est pas ce qu'il fallait faire ici. Alors niveau distance c'est pas mal, par contre niveau lie on a vu mieux. C'est comme ça. Avance encore. Il y a encore un putt à mettre, mais j'ai bien fait de prendre mon fuse. Comme je le disais, il y a encore un putt à mettre. 8-9 mètres. Non. Allez hop, dernier trou. Clairement, ce ne sera pas un record aujourd'hui, à part peut-être un record de putt manqué. Après, en soi, je ne me suis pas donné les occasions, j'ai pas arrêté de me mettre à 10 mètres, 8 mètres. Ce n'est pas des putts faciles. Après le trou 1, j'avoue que c'était encourageant, mais c'est vite redescendu. Bon, allez, 80 mètres, enfin 79. Allez, skip un peu. Je suis relaissé un testeur, c'est incroyable. Je sais pas me mettre au pied du panier. Je vous laisse deviner qui s'est laissé encore un putt de 9 mètres. Bon, au moins il y a le soleil, ça fait du bien. J'ai enlevé le bonnet autour de cou. Allez, mets-en un. Oui, plein centre. Finir sur un birdie, ça fait du bien. Je vous le dis, j'en peux plus là. Moins 4 avec tellement de putts manqués, tellement de mauvaises approches où je me laisse juste à 12-13 mètres où ça commence à être vraiment dur. Puis des putts à 8-9 mètres manqués comme ça, c'est nul, mais bon, c'est comme ça. Au moins, ça met un point de repère et puis ça me permet aussi d'utiliser les disques que je vais utiliser cette année. Ça me permet de voir ce que je vais mettre dans mon sac. Cet après-midi, je vais refaire un tour. Et puis peut-être en fin d'après-midi, je vous ferai un in the bag. Enfin, je verrai quand je le fais. Parce que peut-être qu'il y a encore d'autres disques que je vais mettre dedans, que je vais enlever. Enfin bref. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être que je reviendrai dans quelques semaines. Ou peut-être que j'irai sur un autre parcours. On verra bien. Et voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.